normalement, ça devrait marcher. Bonjour, bonjour. Je refais ma petite vidéo que j'avais commencée parce qu'aujourd'hui, il ne m'arrive que des trucs incroyables. On va dire des mini-catastrophes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est mercredi 19 décembre. Et apparemment, eh bien, on me casse les pieds du haut du ciel. Aujourd'hui, c'est le jour des courses. Voilà, donc je vous explique. Je vais faire mes courses à Intermarché comme tous les mercredis. Et puis, évidemment, au moment de payer, pour la première fois depuis la première fois, parce qu'en fait, je me rappelle toujours du code de la carte bancaire. Et là, je me suis trompée. Au lieu de mettre un 4 à la fin du code, j'ai mis un 2 à la fin du code de la carte bancaire. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, code faux. Et après, j'étais dans tous mes états. Vraiment, j'étais dans tous mes états. Et tout d'un coup, évidemment, le téléphone sonne. Donc, on va aller voir pourquoi le téléphone sonne, n'est-ce pas? Voilà, le téléphone sonne, je réponds. Oui, allô? 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 Et évidemment, le téléphone, il raccroche tout seul. C'est vraiment la journée formidable aujourd'hui. Vraiment, on me casse les pieds. Incroyable, mais vrai. Évidemment, ça ressonne. Alors, je vais attendre la deuxième sonnerie. C'est un gag aujourd'hui. C'est un gag. Allô? Oui. J'en sais rien. Je sais pas. Deux fois. On en parle de tout à l'heure, je suis en train de faire une vidéo. Oui, on en parlera tout à l'heure, je suis en train de faire une vidéo. Au revoir. Voilà, donc tout va bien, on me casse les pieds pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Eh oui, évidemment. Évidemment, il faut qu'on me casse les pieds encore. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais à l'essence et puis évidemment mon mari me rappelle parce que je ne peux pas faire ma vidéo. Voilà. C'est vraiment un comble, c'est le comble du comble. Allô? Écoute, je suis en train de faire une vidéo là. Oui, tu comprends? Tu m'entends ou pas? Allô? Et tu me rappelleras une autre fois, hein? De toute façon, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Au revoir. Donc voilà, on m'ennuie pour faire la vidéo. C'est un jour une catastrophe atomique, ce jour. Une catastrophe et mon mari me casse les pieds en me téléphonant deux fois. Donc voilà, parce qu'en fait, il veut savoir pourquoi la carte bancaire ne marchait pas. Et puis son collègue, évidemment, il faut qu'il lui en parle et il faut que mon mari m'appelle pour m'en parler et me voilà, trois points de suspension. Donc voilà, si ça ressonne, je ne répondrai pas parce que je commence à en avoir un peu marre qu'on m'emmerde. Voilà, donc je ne répondrai pas. Donc voilà, donc je vais à l'essence, ensuite pour prendre de l'essence. Et le mec très sympathique que je connais depuis longtemps, qui travaille à Intermarché, eh bien, me dit, votre carte, bah, elle est refusée. Et je me suis dit, il doit y avoir un problème de plafond. Et donc, je suis allée vite au distributeur pour voir si ma carte bancaire marchait. Parce que je me suis dit, il y a un problème, je ne comprends pas. Et en allant au distributeur, je me suis dit, si le distributeur marche, c'est qu'il y a un problème de plafond par rapport à la carte bancaire. Voilà. Donc, en fait, j'ai pu prendre ce qu'il fallait.
aller, donc j'ai pris 40 euros. Tout allait bien, ça m'a rassurée, j'ai pu payer l'essence. Voilà. Donc tout allait bien et ensuite je suis rentrée chez moi. Mais rentrée chez moi, encore un petit truc. Et oui, parce que normalement Anthony ne dort pas et endormi. Et Anthony dormait encore. Donc en arrivant, eh bien en ouvrant la porte d'entrée, ça l'a réveillé. Donc heureusement, il est arrivé et comme d'habitude, très gentiment, il m'a aidé à porter les courses. Voilà, donc l'histoire se finit bien. Voilà. Mais ce fut une matinée catastrophe. Et en plus, là, on m'ennuie pour tourner ma vidéo. Donc, un petit truc en plus. Voilà, donc on a reçu, il n'y a pas longtemps, le catalogue. Pardon, l'almanach du facteur de 2019. Voilà. Un super petit almanach avec des chats. Voilà, comme tous les ans, le facteur vient faire toc-toc chez nous pour nous vendre un petit calendrier. Et alors, devinez ce que j'ai trouvé dans le calendrier. La recette du dentifrice à la fraise. Oui. Une super petite recette naturelle. Alors, est-ce que vous connaissez le dentifrice à la fraise? Donc, dentifrice à la fraise. Vous prenez deux fraises naturelles, normales, que vous allez mélanger avec une cuillère de bicarbonate. Vous mélangez. Très très bien. Et ensuite, vous mettez sur votre brosse à dents, vous frottez. Après, par contre, il est marqué qu'il faut que vous devez bien, bien, bien vous rincer aussi par rapport aux petits grains des fraises qui vont se mettre dans vos dents. Mais normalement, ça marcherait et vous auriez les dents bien blanches. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Donc ça, c'est une petite histoire assez sympathique, hein, contrairement à ma première histoire du jour. Voilà. Donc vous aurez eu la première histoire, les deux coups de téléphone qui ont fait que ça m'a cassé les pieds pour ma vidéo, et la troisième petite histoire avec le dentifrice à la fraise. Voilà. Donc il est temps que je vous quitte. J'espère que vous aurez bien rigolé au cours de cette vidéo. Voilà. De toute façon, ma carte bancaire, elle marche. Les sous sur le compte, il y en a. Donc, je pense pas que ce soit bien grave, parce que il devait y avoir une petite merdouille sur la carte bancaire, ça devait être un petit peu sale, et du coup je pense qu'il fallait la nettoyer avec le bras, la manche ou quoi que ce soit. Voilà, mais le mec n'étant pas depuis des lustres à la station essence, je pense qu'il n'était pas au courant qu'il fallait frotter la carte bancaire comme bon nombre de caissières font quand ça bug. Et donc du coup, voilà, il devait y avoir une poussière sur la carte bancaire. Voilà, je pense certainement que c'est ça parce que ça l'a eu déjà fait il y a quelques années. Et donc ça fait un petit moment qu'on l'a, donc voilà. Donc voilà, voilà, sur ce, eh bien... Quoi dire de plus? Eh bien, que c'est bientôt Noël et que j'ai hâte que ce soit Noël. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour d'autres aventures. Voilà. Bisous à tous.